Bonsoir. Donc moi je suis consultant en référencement naturel et en web marketing indépendant. Et ce soir, je vais vous présenter un petit peu comment fonctionne l'algorithme de Google et comment on peut l'influencer dans le but de faire remonter son site internet dans les premières positions de Google. Ce qui est un enjeu assez intéressant vu les volumes de recherche. Donc on va rentrer à l'intérieur des data centers de Google pour essayer de décrypter un petit peu tout ça. Donc en introduction, je vais vous présenter rapidement un petit peu le marché des moteurs de recherche et son évolution. Ça sera intéressant pour comprendre un petit peu l'importance de l'innovation dans ce secteur et pourquoi Google est si attentif à la qualité de ses résultats. Alors, avant les moteurs de recherche, il y avait Yahoo. Qui s'est lancé en 1994. Donc Yahoo, c'était un annuaire, c'est-à-dire que tous les sites étaient classés par des humains, ce qui était un petit peu long. Mais au début d'Internet, il y avait uniquement ça. Donc le seul moyen de faire connaître son site, c'était d'arriver à convaincre l'éditeur de Yahoo de le lister dans la bonne catégorie. Ensuite, en 1996, le premier moteur de recherche est apparu, c'était AltaVista. Son algorithme était assez simple, il comptait le nombre de fois où il y avait un mot-clé sur une page et quand l'internaute tapait ce mot-clé, il l'affichait en premier et derrière ceux qui avaient le mot-clé moins souvent dans la page. Du coup, à partir d'un moment, il y a des webmasters qui s'en sont rendus compte, qui ont compris le truc, qu'on commençait à bourrer leur site de mots-clés. C'est à ce moment-là où on mettait en fait du texte en blanc sur blanc pour augmenter encore la densité des mots-clés. Donc là, on parle de 1996. Et au bout d'un moment, les résultats n'étaient plus du tout pertinents et les utilisateurs étaient assez frustrés. Alors pourquoi AltaVista, et je ne cite pas tous les autres qui fonctionnaient de la même façon, tout simplement parce que AltaVista était celui qui arrivait à le faire le plus rapidement. C'est pour ça qu'à l'époque, il a eu plus de succès que les autres moteurs de recherche qui avaient à peu près la même technologie dans ces années-là. Et en 1998 est apparu Google. Donc du coup, comme les résultats d'AltaVista étaient très spammés et qu'ils étaient au moins aussi rapides, ils se sont développés assez rapidement. Et l'innovation principale qu'ils ont apportée à cette époque-là, c'est le PageRank. C'est-à-dire qu'en plus de compter le nombre de fois où le mot-clé était cité dans la page, ils ont tenu compte des liens hypertextes qui pointaient vers cette page. C'est là la grande innovation de Google à l'époque, ils ont été les premiers à mettre ça en place. Pour la petite histoire, ils sont inspirés du système académique américain sur lequel les chercheurs étaient classés en fonction du nombre de mentions dans Science, Nature, dans toutes les grandes revues scientifiques. Ils ont simplement eu l'idée d'adapter ce principe au web et le PageRank et Google étaient nés. Donc, à part Google, il ne reste plus beaucoup de moteurs de recherche actuellement. Il y a Bing, qui lui s'est lancé en 2004. Alors, Bing, ils ont changé beaucoup de fois de nom. C'était Windows Live Search, Bing. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Au niveau technologie, ils n'ont pas apporté quelque chose de révolutionnaire. Ils copient plus ou moins Google avec 2, 3, 4 ans de retard. Mais bon, c'est ceux qui le font le mieux. Et puis, comme ils font partie du groupe Microsoft, ça leur permet de survivre en étant intégrés par défaut dans Internet Explorer, dans les différents outils de Microsoft. Mais il y a quand même quelques autres moteurs de recherche qui ont survécu à l'hégémonie de Google, notamment Baidu en Chine. Donc, c'est vrai que l'alphabet chinois et la législation chinoise est assez spécifique. Donc il y a un acteur qui résiste très très bien à Google, qui est ultra majoritaire là-bas. La grande différence, c'est que sur Baidu, il y a un système de certificat qui est un petit peu... c'est un petit peu un mix entre Yahoo et Google. C'est-à-dire qu'il faut avoir un certificat de chaque ministère, en fonction de son secteur d'activité, pour pouvoir ressortir dans les premières positions. C'est-à-dire qu'en fonction de votre marché, il faut aller voir le ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, que sais-je, pour avoir le tampon. En général, en Chine, ils l'affichent dans le footer. C'est vraiment un élément de réassurance très important sur ce marché. Et donc, Baidu en tire compte dans son algorithme.
Alors, il y a un autre pays où il y a un concurrent très sérieux pour Google, c'est Yandex. Yandex, s'il faut citer une spécificité, c'est qu'ils sont très très forts dans la lutte anti-spam. Parce qu'ils sont sur un marché où il y a vraiment beaucoup de spam. Du coup, ils ont été les premiers, bien avant Google, à mettre en place des filtres assez perfectionnés à ce niveau-là. Alors là, c'est une carte qui date de 2014, j'ai pas trouvé plus récent, je m'en excuse, qui montre un petit peu donc l'hégémonie de Google. Donc pour information, Google, ils sont à 78%. Enfin, à l'époque, en 2014, ils étaient à 78% aux États-Unis contre 93% en France. Depuis, je crois qu'on est passé à 95%, donc ça ne fait qu'augmenter. Vous voyez, Amérique du Sud, ils sont assez dominants. Par contre, en Chine, Baidu est premier avec 54%, et en Russie, Yandex est deuxième avec plus de 30% du marché. Dernière spécificité, Yahoo, qui est très très fort au Japon, parce qu'en fait là-bas, c'est pas uniquement la marque américaine Yahoo, c'est une joint venture avec SoftBank, qui est un acteur très très important sur le marché japonais. Et du coup, historiquement, c'est une marque qui est forte là-bas, et pareil, qui est interfacée avec plein d'autres services. Du coup, qui résiste bien mieux au Japon qu'aux États-Unis. Voilà. Ça, c'est une étude de 2014, par exemple, qui porte sur des sites avec des marques très importantes et qui montre un petit peu la répartition idéale du trafic. Alors ça, c'est des marques type RTL, type voilà, des marques bien installées, qui arrivent à avoir à peu près un tiers d'accès direct, c'est-à-dire des gens qui vont taper RTL.fr dans leur navigateur ou qui vont l'avoir en favori, 30% de moteurs de recherche et 30% de liens externes, c'est-à-dire des liens depuis d'autres sites qui mènent vers le vôtre. Ça, c'est vraiment pour des statistiques pour les très gros acteurs, pour des pure players ou pour des petits sites. Le risque, c'est d'être très dépendant des moteurs de recherche. Et du coup, une mise à jour ou quelque chose, et si vous perdez 80% de votre trafic, c'est très difficile pour s'en relever. Voilà, c'était l'occasion. Voilà. Alors, je continue avec mes statistiques pour vous montrer en fait que la part de trafic des moteurs de recherche est en baisse depuis quelque temps, tout simplement parce qu'il y a eu l'apparition des réseaux sociaux et que les réseaux sociaux prennent beaucoup de temps de cerveau disponible et beaucoup de trafic sur Internet et qu'ils en génèrent aussi beaucoup, surtout sur les sites d'actu, de news, etc. Donc du coup, la part du trafic généré par le moteur de recherche est en baisse en pourcentage, bien évidemment. Bon, maintenant, on va s'intéresser surtout à Google. On a vu qu'ils avaient plus de 80% de part de marché, donc quand on fait du référencement en France, en tout cas, on s'intéresse assez peu à Bing. Voilà. Sachant que, grosso modo, vous aurez à peu près les mêmes résultats que sur Google, avec un filtre anti-spam qui est un petit peu moins performant. Actuellement, c'est à peu près la seule différence. Alors, la mission de Google, c'est d'organiser les informations à l'échelle mondiale dans le but de les rendre accessibles et utiles à tous. Donc, on ne parle pas uniquement de pages web, de vidéos et d'images. Voilà, il y a Google Maps, il y a Google Books. Leur but, c'est vraiment, à terme, de mettre toute l'intelligence dans leurs outils pour les rendre accessibles à tout le monde. Ils se sont donné à peu près 300 ans pour y parvenir, mais ça reste quand même un projet assez ambitieux. Alors ça, c'est une des premières pages de Google. Donc c'est assez épuré par rapport à ceux qui se souviennent de Yahoo, Caramel, Lycos. Tous les portails qu'on pouvait avoir à l'époque avec des choses qui clignotaient un petit peu partout, à l'époque ça dénotait vraiment. Et en fait, depuis, ils n'ont pas vraiment rajouté beaucoup de choses sur la page d'accueil, ils ont plutôt eu tendance à en enlever et à être encore plus épurés. Donc, pour la petite histoire, le terme Google, ça vient de l'expression mathématique Gogol, qui représente un chiffre, un 1 suivi de 100 zéros. Voilà. Ça représente en fait la quantité d'informations qu'ils avaient à indexer. C'était ça le principal défi technique à l'époque. Voilà, donc là, c'est des chiffres de 2016 au niveau des parts de marché qu'on vous donnait tout à l'heure. Et si on compare à ceux de 2014, on voit effectivement
que la part de marché progresse un petit peu. Alors je dis 95%, c'est 94%. Bon, peut-être que depuis 2007, on a dépassé les 95%, c'est un petit peu compliqué d'avoir des chiffres précis. En tout cas, vous voyez qu'en France, on est vraiment un pays où Google est très puissant. C'est plus que dans la moyenne de l'Europe, c'est plus que dans la moyenne du monde, c'est plus qu'aux États-Unis. Alors, ça, c'est des chiffres qui datent de 2012, tout simplement parce que Google n'a pas communiqué depuis dessus. Et donc ça, c'est le nombre de pages indexées par Google. Donc c'est assez pharaonique. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, alors ça c'est les chiffres en 2012. Et on a plus que quadruplé si on passe aux chiffres de 2015. Le problème pour Google, c'est que dans cette quantité incroyable de données, il y a 60% de doublons. Et pour eux, 60% de doublons, ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils font tourner leurs robots, les serveurs qui vont derrière, qui payent l'électricité et la clim pour crawler le web, la moitié du temps, ça ne sert à rien en fait. Et gardez cette information en tête, parce qu'après, quand on va voir un petit peu l'algorithme de Google, ça aura toute son importance. Alors là, on vient sur les chiffres de 2012, donc 3,3 milliards de requêtes chaque jour. Bon, à l'époque, ils avaient 53 000 employés, j'imagine que ça a bien augmenté depuis, et 1 million de serveurs. 32 data centers, je passe assez rapidement parce que j'ai qu'une heure pour faire toute la présentation, et donc on va arriver assez rapidement à des choses beaucoup plus intéressantes. Donc, juste pour être sûr que tout le monde comprenne bien, il faut faire la différence sur Google entre les liens organiques, les résultats naturels, et Google AdWords, qui est la régie publicitaire qui... finance Google. Alors là, on est effectivement, en général, si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez au web marketing, donc il y a de fortes chances que vous connaissiez la différence. Mais il y a beaucoup de gens qui ne font pas du tout la différence entre les liens qui sont sponsorisés et les liens qui sont naturels. Donc là, j'ai réussi à trouver une requête sur laquelle il n'y avait aucune publicité. C'était pas évident. Alors là, par contre, j'ai réussi aussi à trouver une requête sur laquelle il n'y avait aucun résultat naturel au-dessus de la ligne de flottaison. C'est-à-dire que là, vous avez 4 liens sponsorisés, vous avez une carte avec qui est aussi sponsorisée, pour le coup. Donc, si vous voulez faire du SEO pour les hôtels, Hôtel Paris, c'est peut-être pas la requête idéale. Voilà. Alors, ensuite, ce qui est intéressant de bien comprendre, c'est le Knowledge Graph. Donc, le Knowledge Graph, c'est en général ce qui se passe dans la colonne de droite. Et donc, c'est des informations qui sont issues de Wikipédia et de Freebase, qui est une base de données géante qui a été rachetée par Google, et qui a ce qu'on appelle des données structurées. Données structurées, c'est-à-dire, pour faire simple, avant Google, il avait des mots-clés, c'était tous des mots-clés. Après, ils ont essayé de les catégoriser à la main, petit à petit, mais ça a vite montré ses limites. Et après, ils ont fait le grand saut, ils ont constitué cette gigantesque base de données sémantiques, et maintenant, ils sont capables de savoir que Paris, c'est une ville, et du coup, de relier à toutes les informations intéressantes. Par exemple, si je recherche une ville, il va montrer le maire de cette ville, il va montrer sa superficie, bon là, en l'occurrence, la météo et les hôtels, parce que Marne-la-Vallée, c'est une zone qui est touristique. Il peut me donner l'heure locale, et là, c'est les universités qui ressortent. Mais si vous faites d'autres villes, ça sera les informations pertinentes pour cette ville-là. Et Google est maintenant capable de faire les liens entre tous ces mots-clés et, j'allais dire presque, de comprendre le web. En tout cas, il s'en rapproche. Donc voilà, donc là, un autre exemple un petit peu plus commercial, donc Apple Store. C'est pas juste un mot-clé pour Google, il sait que c'est un type de magasin qui est relié à la marque Apple. Donc il sait qu'il y en a plusieurs. Donc comme moi je suis situé sur Marne-la-Vallée, il m'a directement proposé celui de Val-d'Europe qui est juste à côté. Donc parce que les résultats sont maintenant géolocalisés. Et il m'a donné toutes les informations utiles, numéro de téléphone, etc. Il est même capable maintenant de me donner les heures d'affluence, ce qui est quand même assez impressionnant, je trouve. Voilà. Et puis, il y a le système d'avis aussi qui est intéressant. Donc ça, c'était le Knowledge Graph. Maintenant, on va comprendre les One Box. Donc là, vous avez le Knowledge Graph, donc pour une personnalité politique.
donc, qui était à l'époque où j'ai fait les screenshots, ancien ministre de l'économie et des finances. Il faudrait que je fasse la mise à jour. Donc, petit extrait de la page Wikipédia. Et pour une personnalité de type homme politique, les informations qui paraissent intéressantes sont date de naissance, son épouse, son parti, sa formation, le livre qu'il a écrit et ses parents. Donc, il faut bien imaginer la base de données de Google un petit peu comme l'Open Graph de Facebook, c'est-à-dire c'est plein d'entités qui sont reliées entre elles et qui sont interdépendantes. Donc, Google est vraiment devenu de plus en plus intelligent. Et donc, pour revenir sur la One Box, c'est ce genre d'affichage où là, je vais avoir la réponse à ma question directement dans les résultats de recherche. Alors pour le référencement naturel, pour les SEO, c'est vraiment une catastrophe cette fonctionnalité, parce qu'à partir du moment où Google donne les réponses dans le moteur de recherche, il y a assez peu de chances pour que les gens cliquent sur le premier résultat naturel, qui dans cet exemple est pareil en dessous de la ligne de flottaison. Donc voilà, donc c'est assez intéressant à prendre en compte. Voilà, bon, je peux avoir l'âge d'Emmanuel Macron, la taille de Justin Bieber. Si je tape PSG, donc il sait que c'est un club de foot, donc il peut me relier à d'autres entités comme le manager, les joueurs, etc. Joueurs qui, d'ailleurs, c'est assez intéressant, sont classés par popularité en général. Donc là, pareil, bon, c'est des screenshots qui datent un petit peu. Et puis là, il me donne les informations les plus pertinentes dernièrement. C'est-à-dire le résultat du dernier match. Donc, la personne qui a un site internet qui donne les résultats du PSG, il n'est pas très content de voir ce type de fonctionnalité s'activer. Voilà. Et on peut même, dans cet exemple, cliquer pour avoir l'ensemble de l'historique des matchs du PSG. Voilà. Je peux aussi avoir directement l'heure dans n'importe quelle ville du monde. Je peux avoir la date de Noël. Je peux faire aussi, Google fait aussi office de calculatrice. Pour ceux qui ne le savaient pas, si vous avez besoin de faire des pourcentages, des produits en croix, vous pouvez même le mettre en langage naturel, conversion de devises, voilà. Il y a plein de fonctionnalités qui sont intégrées directement dans le moteur de recherche. Voilà. Il y a même des messages d'avertissement qui peuvent être affichés, ce qui peut s'avérer assez utile. Alors, il y a aussi des OneBox qui sont un petit peu plus commerciales, à l'opposé. Dans celle-ci, je peux directement réserver un vol. Donc c'est un comparateur un peu interne à Google. Petit à petit, Google va sortir des dizaines de comparateurs. Voilà, je serais le lynx ou les furets, je m'inquiéterais assez rapidement. Bien qu'ils prennent leur temps, petit à petit, dans les résultats de recherche, ils ont tué à peu près tous les comparateurs de prix depuis qu'ils ont lancé Google Shopping. Là, c'est un exemple pour les avions. Et petit à petit, ils vont intégrer tous ces comparateurs parce que c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup de marge. Parce qu'en fait, les comparateurs sont des gros apporteurs d'affaires, que ce soit en assurance, dans n'importe quel domaine. Et du coup, ça intéresse grandement Google. Comme Google a le trafic et peut mettre en avant ses services, voilà, il ne fait pas bon être un comparateur. Donc tout ce qui est comparateur de prix sur les produits techniques qui sont déjà morts, il en reste sur des niches très spécifiques. Mais je ne parierais pas à 10 ans sur ce type de société personnelle. Voilà, je peux aussi avoir directement dans une OneBox le classement de la Ligue 1. Il est capable de me donner le casting d'un film, de n'importe quel film. Alors ça peut paraître anodin, mais ce qui est intéressant de comprendre derrière, c'est qu'il comprend que Amélie Poulain, c'est un film, qu'un film, c'est relié à des personnages, à des acteurs, et que si je tape casting Amélie Poulain, il est capable de me donner toute la liste. Donc il a dans sa base de données les liens entre toutes ces entités. C'est ça qui est intéressant à comprendre. Alors, autre OneBox très intéressante, celle-ci, pour le coup, elle est assez intéressante au niveau référencement local. Si je cherche un ophtalmo, une sophrologue, tout ce type de requêtes, ce qui va être mis en avant au-dessus de la ligne de flottaison, ce sont les fiches Google+. Alors, le référencement local, c'est quelque chose d'assez basique, hein, d'assez simple. Grosso modo, il faut avoir plus d'avis que ses concurrents. Optimiser sa fiche avec les bons mots-clés dans les titres, etc. Et en fonction de la concurrence, c'est assez facile de remonter actuellement. Voilà. Donc ça, c'est, en termes d'apport de trafic, c'est assez intéressant. On y reviendra quand je vous présenterai les différentes mises à jour qu'il y a eu au niveau de l'algorithme de Google. Voilà. Si je clique, après, je peux avoir la carte détaillée. Et là, chercher vraiment au niveau local, c'est-à-dire si je veux un ophtalmo, des pizzas ou des sushis, bah, effectivement, c'est quelque chose que je cherche proche de chez moi. Si les meilleurs sushis sont à Kyoto, ça ne sert à rien d'avoir l'information. Moi, ce que je veux, c'est ceux qui sont le plus proches de chez moi.
Voilà, tout à l'heure, je vous parlais de la calculatrice. Voilà, je peux aussi avoir des vidéos directement dans les résultats de recherche. Alors, ce n'est pas embed dans Google. Hein. Quand vous cliquez, vous êtes redirigé. Mais on y croirait quand même très fortement. Voilà, là, c'est une image qui apparaît en OneBox. Là, je peux avoir une playlist. Je peux avoir les avis sur un film. Voilà. Donc ça, c'est fini pour les, ce qu'on appelle les OneBox, pour que vous ayez un petit peu le vocabulaire du SEO. Maintenant, on va passer aux Rich Snippets. Alors, les Rich Snippets, ça va être ce genre d'image. Ça va être les petites étoiles, toutes ces petites informations qu'on va pouvoir avoir en plus et que tous les sites n'ont pas dans les résultats de Google, uniquement ceux qui ont bien travaillé, voire très bien travaillé leur référencement naturel. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est encore très connu à l'heure actuelle. Alors, les images, ne rêvez pas. Pendant un moment, il y a eu un test où en fait, c'était relié à Google Plus et vous pouviez mettre votre visage à côté de votre site. Et du coup, le taux de webmaster blonde poitrine très généreuse a explosé. Tout le monde s'est retrouvé avec des photos hyper attrayantes pour inciter au clic. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'abus à ce niveau-là. Du coup, ils ont désactivé cette fonctionnalité et ça persiste uniquement sur tout ce qui est recettes de cuisine. Voilà. Donc ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on peut avoir sur tous les secteurs d'activité, même si ça fait rêver, effectivement, parce que une image comme ça, bon là, tout le monde l'a, mais si vous êtes le seul à l'avoir en termes de taux de clic, c'est juste extraordinaire, quoi. C'est quand même assez intéressant. Alors, maintenant, il y a autre chose depuis quelques temps dans Google. Donc là, vous avez toujours le Knowledge Graph. Hein. Vous pouvez même avoir le taux de sodium dans la tarte aux pommes. On voit quand même que c'est fait par des sciences, par des nerds un petit peu quand même. Et vous avez aussi la position zéro. La position zéro, c'est dans l'idée... alors, c'est fait pour Google Home, hein, pour vous expliquer clairement. L'idée, c'est de pouvoir résumer, d'apporter une réponse ou pouvoir résumer un sujet de façon assez courte. Donc, c'est un algorithme très complexe qui va essayer de résumer toute une page. Donc, il va surtout s'intéresser aux listes à puces, aux tableaux pour l'instant. Et à terme, le but, c'est qu'il arrive vraiment à synthétiser le contenu d'une page. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que du coup, 750 grammes, qui n'était pas du tout dans les premières positions, dans la première ni dans la deuxième position, est remonté dans la position 0, tout simplement parce que dans leur article, ils avaient un système de listes à puces et que Marmiton n'utilise pas les listes à puces. Comme Google a plus facilement réussi à résumer grâce à la mise en page du contenu, il a mis ce qu'on appelle la position 0. Voilà. Donc ça, c'est très très intéressant en termes de référencement naturel. Bon, il faut déjà être sur la première page, hein, dans 95% des cas. Mais après, la façon dont on va mettre en page son contenu va vous permettre de ressortir à cette position et de monter devant tout le monde. Parce que par rapport à l'algorithme normal de Google, c'était vraiment Marmiton qui était le plus pertinent. Il a même réussi à mettre plusieurs pages en tête de résultats. Mais comme 750 grammes avait cette mise en page, ils sont remontés et ils sont affichés en position 0. Mais ils sont aussi en dessous avec leur position normale. C'est pour ça qu'on parle de position 0 et pas de position 1, parce que c'est vraiment un autre classement à part. Je vais assez rapidement parce qu'on a peu de temps, mais n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Cet algorithme, on a assez peu d'informations là-dessus, il est assez nouveau, et surtout, il évolue assez vite. On a vu des catastrophes en termes, enfin, on a vu la fiche produit de Cdiscount, je crois que c'était sur Barbecue, qui arrivait avec une description improbable. Enfin voilà, c'est quelque chose de nouveau, il débute à peine. Les assistants vocaux, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez récent. Donc voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à voir. Donc c'est pas forcément parce que si vous mettez ça en place, vous ne sortirez pas forcément en premier. Mais si vous ne le faites pas, c'est sûr que vous ne ressortirez pas en tout cas. Bon là, j'ai essayé de trouver un exemple où pour le coup, ça fonctionnait bien. Et donc sur les sports les plus pratiqués, si je demande ça à Google Home, il va être capable de me citer tous les sports avec le nombre de licenciés. Ce qui est quand même assez intéressant. Et là, pour le coup, quelqu'un qui recherche l'information, bah, ça se trouve, il ne va même pas cliquer en fait, sur les résultats du moteur de recherche. Quoi. Il a déjà à peu près l'information. Voilà. Bon, ça, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu le côté utilisateur de Google. Maintenant, on va passer un petit peu dans les coulisses et on va s'intéresser à l'algorithme, c'est-à-dire quels sont les éléments qui rentrent en jeu dans le classement d'une page. Ce qui va vous intéresser pour optimiser le classement de vos propres sites. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, vous en avez déjà sûrement entendu parler, j'imagine, avant ce soir,
Le PageRank, c'est vraiment au cœur de l'algorithme de Google. Alors, on ne peut plus le connaître. Avant, on avait une petite barre Google qui nous permettait de le connaître. Maintenant, Google a enlevé cette information, on ne peut plus y avoir accès. Parce que c'était surtout utilisé par des SEO pour faire des échanges de liens. Ils se sont dit, on ne va pas leur faciliter la tâche. Mais par contre, j'ai pu lire du coup que Google ne tenait plus du tout compte du PageRank parce qu'il l'avait enlevé de la barre. Ça, c'est totalement faux. Il ne vous donne plus l'information, mais s'il protège cette information à ce point-là, c'est que ça reste quand même la base principale de son algorithme. Alors, pour résumer, donc le PageRank, c'est une note de 1 à 10, pour faire simple. Et l'idée, c'est que si vous avez un lien avec d'une page qui a un PageRank de 10, ça aura autant d'influence que 10 liens depuis des pages qui ont un PageRank de 1. C'est clair pour tout le monde ? Je pense que j'ai pas besoin de m'éterniser là-dessus, c'est assez connu. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, maintenant, Google a vraiment affiné tout ça, et il est capable de détecter des échanges de liens, enfin tout ce qu'on peut essayer de mettre en place pour essayer de le duper. Alors, le TrustRank, pour le coup, c'est une invention de Yahoo. Et là, c'est un petit peu le même système que le PageRank, mais le PageRank va surtout valoriser la popularité d'une page. Alors que le TrustRank va compter plus la confiance qu'on peut avoir sur une page. D'ailleurs, faut que je fasse une petite parenthèse pour vous expliquer qu'en fait, il y a plus de 200 critères au niveau de l'algorithme de Google. Donc là, je vous en ai présenté deux pour l'instant. Et qu'en fonction du type de recherche, ils ne vont pas être pondérés de la même manière. Donc avant, c'était pondéré à la main en fonction des types de recherche. Donc actualité, sport, requête chaude, requête froide, etc. Maintenant, c'est une intelligence artificielle qui pondère les différents algorithmes automatiquement en fonction de la requête. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est par exemple, si vous cherchez des médicaments ou un avocat, Google va renforcer le TrustRank. Si vous cherchez des informations sur Justin Bieber ou Kim Kardashian, le PageRank aura plus d'influence. Pour vous expliquer vraiment simplement. Et après, voilà, tous les critères ont des pondérations différentes, que ce soit dans le temps ou en fonction des types de recherche. Donc, et après, après le PageRank, après le TrustRank, le troisième grand critère, c'est le WordRank, c'est-à-dire la pertinence que vous allez avoir sur un mot-clé. Donc ça va être fonction des mots-clés qu'il va y avoir sur votre page, des liens également qui pointent vers votre page. Par exemple, si vous êtes Volkswagen, un lien depuis le site de Turbo aura beaucoup plus d'influence positive pour votre référence naturelle qu'un lien depuis Closer. Jusque-là, ça semble assez logique. Voilà, après, petit à petit, ça a évolué, ça s'est perfectionné, et maintenant, Google est capable de comprendre des champs sémantiques. C'est pour ça que maintenant, quand on optimise une page pour le référencement, on ne va plus répéter 10 fois le même mot-clé, mais on va essayer de citer tous les mots-clés connexes qui vont avoir de la pertinence par rapport à ce mot-clé. Je vous ai expliqué tout à l'heure les principes du Knowledge Graph. Google fait des liens entre les différents mots-clés. Voilà. Donc maintenant, sur ma page, sur un sujet, je vais essayer d'aborder aussi donc, tous les synonymes, tous les mots-clés proches de ce mot-clé, et ça va renforcer la pertinence sémantique, ce que j'appelle le WordRank, de ma page. C'est bon pour tout le monde ? Donc là, c'est une explication vraiment très simple. Je vous ai mis vraiment les trois piliers. Je n'ai malheureusement pas le temps de vous expliquer les 200 critères. Ça prendrait un petit peu trop de temps. Donc, ce que je vais faire pour vous être utile ce soir, c'est que je vais reprendre un petit peu les différentes mises à jour de Google. Parce que si je vous donne la liste des 200 critères, ça va être un petit peu dur quand même. Alors que si je vous explique chronologiquement ce qui s'est passé et pourquoi ils ont fait ces mises à jour, j'ai plus d'espoir que vous en gardiez quelque chose à la fin de cette présentation. Bon, alors on commence à partir de 2010 et de la mise à jour Caféine. Alors Caféine, c'est une mise à jour très technique. C'est celle qui a permis à Google de classer de la même façon les livres, les images, les mots, il y avait les blogs, les forums, dans la même base de données. Avant, il y avait Google Web, Google Images, je ne sais pas s'il y avait Google Actuelle Époque, mais Google Blog, etc. etc. Vous aviez les différents onglets, et c'était très hermétique. Alors que maintenant, quand vous recherchez sur Google Web, vous pouvez avoir sur certaines requêtes des images, sur d'autres, des blogs d'actu, etc. C'est beaucoup moins cloisonné qu'avant.
Parce qu'à partir de 2010, ils ont réussi à mettre une infrastructure technique derrière, assez puissante pour tout stocker sur les mêmes clusters. Ensuite, en avril 2010, ils ont mis en place Google Speed. Donc c'est à partir de ce moment-là où Google a toujours fait les efforts de son côté pour être le plus rapide possible. Et après, ils ont commencé à tenir compte de la vitesse pour les sites, les temps de chargement des sites sur lesquels ils envoient du trafic. Alors, c'est un très bon exemple parce que voilà, c'est typiquement Google, quand ils vont lancer un nouveau critère comme celui-ci, ils vont le pondérer de façon très faible. C'est nouveau, ils n'ont pas envie de casser tout l'algorithme et de pénaliser des sites qui sont peut-être un petit peu longs à charger, mais qui sont la référence sur leur secteur. Par contre, ils commencent à le mettre en place de façon très faible. Et petit à petit, ils vont augmenter l'influence de ce critère avec le temps. Voilà. Et comme on recherche de plus en plus sur le mobile, les temps de chargement sont de plus en plus importants, et c'est un critère qui monte. Mais ils ne peuvent pas se permettre de tout casser d'un coup. Je ne sais pas, par exemple, le Parisien, ils avaient à un moment une infrastructure technique qui était catastrophique, ça mettait beaucoup de temps à charger. Ben, ça restait quand même une source de référence sur l'actualité locale, ils ne pouvaient pas se permettre de le dégrader et de mettre des sites inconnus, des blogs inconnus à la place, qui n'avaient pas la même confiance. Voilà. Donc ça, c'est un très bon exemple pour vous compreniez un petit peu comment fonctionne Google. Google Panda. Google Panda, en 2011, ça a été une vraie catastrophe pour les référenceurs. Il y en a plusieurs qui ont perdu leur métier, il y en a qui ont fait des tentatives de suicide, il y en a qui ont été ruinés, il y a des sites qui ont fermé à cause de ça. Des gens qui se sont retrouvés au chômage. Voilà, Panda et Pingouin, que je vais voir par la suite, ça a vraiment été un bouleversement au niveau des résultats de recherche. Ça a été quelque chose de très, très violent. Donc, à partir de 2011, Google a vraiment renforcé la chasse au spam via différents critères, différents algorithmes qui ont été rajoutés à son moteur de recherche. Google Panda, c'était la première brique. Ils sont intéressés à la qualité des contenus. Voilà. À l'époque, le SEO, il y a des gens qui faisaient ça de façon assez basique. C'est-à-dire, ils créaient des pages satellites, ils écrivaient un texte un petit peu bateau, et ils redirigeaient ensuite en JavaScript sur une autre page. C'était les techniques de l'époque. Bon, après, c'était surtout parce qu'il y avait des sites en flash, par exemple, qui étaient irréférençables, donc on faisait des pages, voilà, et puis après, c'est une technique qui s'est un petit peu étendue. Et donc, du coup, les textes sur ces pages-là, c'était vraiment des textes catastrophiques, parce que c'était même pas destiné à être lu par les utilisateurs, en fait. Parce qu'ils étaient redirigés. Pareil, quand les gens faisaient, je sais pas moi, du référencement sur des blogs un petit peu bateaux, sur lesquels ils écrivaient juste un communiqué de presse très mal rédigé pour avoir des liens en plus, par exemple. Voilà. Bah, tous ces contenus de faible qualité, ils sont maintenant détectés. Ça veut dire que Google est capable de comprendre un petit peu votre niveau de langue et de comprendre un petit peu quel est le niveau de langue, quelle est la qualité d'un texte. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont mis pas mal de temps à développer, mais qui fonctionne maintenant bien, et ils l'ont perfectionné d'ailleurs plusieurs fois. C'est aussi à partir de Panda où tout ce qui est contenu dupliqué a été fortement pénalisé. Ça, je vous l'expliquais tout à l'heure, Google, qui dépense 60% de son électricité, de sa clim, etc., pour crawler des pages qu'il connaît déjà, dont il connaît déjà les contenus, ça les a assez rapidement saoulés, et du coup, maintenant, le fait d'avoir un contenu dupliqué, c'est vraiment quelque chose qui est très pénalisant pour votre site internet. Voilà. Après, en fonction des sites, en fonction du PageRank et surtout du TrustRank des sites, Google ne va pas du tout interpréter de la même façon. Par exemple, Yahoo, qui est un site très très fort, qui a une popularité et une confiance très forte, quand il duplique un contenu d'un autre site, ils vont se positionner avant ce site-là, avec le contenu dupliqué du concurrent. C'est un contre-exemple. Hein. La plupart du temps, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais voilà, pour vous dire que pareil, il y a des règles, mais chez Google, les règles ne sont pas du tout les mêmes pour tout le monde. En fonction de votre PageRank, votre TrustRank, vous ne serez pas du tout traité de la même façon. Et voilà. C'est pour ça que sur des sites de grands médias, etc., on va pouvoir se permettre d'avoir des optimisations SEO très agressives, alors que sur un site qui vient de se lancer, on va être au contraire très prudent. Et très progressif. Ça me permet aussi d'aborder un autre sujet qui est le bac à sable. Quand vous lancez un site s'il est trop optimisé, pendant 1-2 mois, Google va le mettre dans le bac à sable, c'est-à-dire qu'il ne ressortira pas du tout.
Et à un moment, il va finir par ressortir et être accepté dans l'algorithme. Google Fresh, alors novembre 2011, pareil. Mais alors ça, c'est pareil, c'est un élément qui prend de plus en plus d'importance. Google va renforcer le référencement d'une nouvelle page sur un site qu'il connaît déjà, par exemple. Vous lancez une nouvelle page, elle va avoir un boost pendant quelques temps. Alors, ce n'est pas de la pure générosité de la part de Google, c'est simplement que dans son algorithme, il tient de plus en plus compte des critères sociaux, des comportements des utilisateurs dans son moteur. C'est-à-dire, je clique sur le premier résultat, est-ce que je suis satisfait, je passe à autre chose, ou est-ce que je reviens en arrière et je vais consulter le deuxième résultat, ce qui voudrait dire pour Google que je n'ai pas trouvé ce que je cherchais dans le premier. Vous me suivez jusqu'ici? Du coup, pour avoir des informations sur ça, si votre site n'est pas en première page, il ne va pas pouvoir voir son taux de clic, il ne va pas pouvoir voir comment les gens interagissent avec votre page. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis en place Fresh, ils vous boostent un petit peu, ça va durer 2 semaines environ, et après vous allez retrouver votre référencement, votre positionnement normal. Google Pingouin, c'est l'équivalent de Google Panda, mais pour tout ce qui est netlinking. Là, pareil, très grand chamboulement en 2012. C'est-à-dire que tous ceux qui faisaient de l'échange de liens, qui faisaient des liens uniquement pour le SEO, qui avaient 95% de trafic moteur de recherche sur leur site, ils ont vu leur courbe sur Google Analytics, c'était pire que le Mont Blanc. C'était des chutes vertigineuses. Et donc du coup, Google essaye de plus en plus de voir si les liens que vous faites sont des liens légitimes ou pas. Pareil, très important, avant en SEO, si on voulait être remonté sur tarte aux pommes, on faisait en sorte d'avoir plein de liens avec le titre de lien tarte aux pommes. Sauf que maintenant, depuis Pingouin, si j'ai, c'est toujours ce qu'il faut faire, sauf que si vous avez trop de liens avec ce qu'on appelle des encres exactes, c'est-à-dire ce que les gens ont tapé dans les moteurs de recherche, vous allez au contraire être pénalisé. Et votre site va redescendre. Tout simplement pour lui, parce que Google sait que ce n'est pas du tout un comportement normal. Quelqu'un qui a 60% de liens optimisés, ce n'est pas du tout naturel. C'est qu'il a fait un travail de SEO. Et du coup, maintenant, c'est pénalisé. Donc, c'est pour ça que vous voyez de moins en moins de liens avec des encres exactes. Vous avez des liens qui vont être soit sur la marque, soit sur l'URL du site, soit en prenant les mots autour de votre mot-clé principal pour faire de la diversité au niveau des titres de liens. Alors moi, je parle de titres de liens, mais il y a beaucoup de gens qui parlent d'encre de liens. On continue. Alors, janvier 2012, à partir de ce moment-là et de la mise à jour Ads, Google a vraiment essayé de pénaliser les sites qui avaient beaucoup trop de publicité. Par la suite, après, c'est ceux qui ont ouvert, les sites qui ouvrent avec une énorme pop-up JavaScript pour vous demander de s'inscrire à votre newsletter et qui vous le mettent à toutes les pages. Bon, ça, maintenant, c'est pénalisé par Google quand il le détecte parce que comme c'est du JavaScript, en fonction de la façon dont c'est codé, des fois, on peut passer un petit peu en dessous du radar, mais de plus en plus, c'est quelque chose qui est pénalisé. Voilà. Donc là, pareil, Payday Loan, c'était une mise à jour qui s'attaquait uniquement à certains types de requêtes. Tout ce qui est casino, poker, pornographie, les requêtes les plus spammées, en gros. Et c'était un algorithme, pareil, de lutte anti-spam, sur lequel on a eu très peu d'informations, mais voilà, qui essayait de comprendre sur ces marchés très spammés les comportements et d'arrêter de prendre en compte les liens qui étaient faits pour le SEO ou les pages qui étaient faites uniquement pour le SEO. Alors, août 2012, pareil, Google reçoit beaucoup de demandes pour supprimer des sites, des torrents, etc., depuis les ayants droit. Du coup, c'était des humains, enfin, c'est souvent des humains qui font ça à la main, etc., et du coup, ça leur prenait pas mal de ressources. Du coup, ils ont fait une mise à jour pirate pour essayer d'automatiser un petit peu tout ça. Après, c'est pas celle sur laquelle ils ont passé le plus de temps, visiblement, parce que si vraiment ils voulaient, il y aurait pu aucun contenu de ce genre sur Google. Septembre 2012, alors EMD, ça veut dire Exact Match Domain. C'est par exemple, je lance un site de livraison de fleurs, je vais l'appeler livraison-de-fleurs.com.
Ça, c'est ce qu'on appelle un exact match domain. C'était une très très bonne technique en termes de SEO. Okay. C'était pas terrible en termes de marketing. Voilà, c'est pour ça que par exemple, en général, c'était quelque chose qui était utilisé au lancement, hein, comme Blablacar qui a racheté covoiturage.fr et qui, une fois qu'il était installé, a créé quand même une vraie marque derrière, parce que ça a ses limites en marketing. Mais en SEO, ça fonctionnait très très bien. Parce qu'en fait, dans les annuaires, par exemple, vous allez avoir des liens qui vont souvent être faits sur l'URL de votre site. Bon, en général, des mots-clés qui ne vous intéressent pas, parce que vous êtes déjà premier sur votre marque, normalement. Sauf que si vous avez vos mots-clés dans l'URL, du coup, ça me faisait automatiquement beaucoup de liens qui contenaient vos mots-clés. Donc depuis, Google en tient compte. Et alors, ce n'est pas pénalisant, dans le sens, ce n'est pas éliminatoire, mais il essaye de vous enlever un petit peu de points, on va dire, pour que vous soyez à égalité avec les concurrents qui n'ont pas des noms de domaine en exact match domaine. C'est toujours clair pour tout le monde? Alors, Hummingbirds. Alors là, c'est avec Panda et Pingouin, si vous devez en retenir que trois, ça sera sûrement celui-là. Et Pigeon, peut-être. L'idée d'Hummingbirds, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure pour le Knowledge Graph. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de comprendre vraiment ce que recherchaient les internautes. Donc ça a commencé avec les homonymies. Par exemple, si vous cherchez une rose, est-ce que vous cherchez la fleur? Est-ce que vous cherchez le prénom? Est-ce que vous cherchez la chanteuse? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Bah, de plus en plus, avec Hummingbird, Google est capable de comprendre ça. Il va tenir compte aussi de votre historique de recherche. C'est-à-dire que si vous faites des recherches, par exemple, sur un sujet, il va en déduire que vous cherchez la chanteuse, par exemple. Voilà. Ensuite, et l'idée d'Hummingbird, c'est vraiment de... Voilà, il faut imaginer l'énorme cluster de l'énorme serveur de la base de données de Google. Et Hummingbird, c'est celui qui va essayer de trouver exactement le résultat qui vous correspond à vous. Donc, ça, pour arriver à ce résultat, il faut déjà comprendre vraiment bien ce que vous recherchez, ce qui n'est pas si évident que ça, des fois. Comprendre qui vous êtes, donc historique de recherche, toutes les informations que Google peut avoir sur vous. D'ailleurs, il y a un site, quand vous regardez sur AdSense, vous pouvez avoir accès en fait à tous les domaines sur lesquels Google vous associe. C'est assez intéressant. Et c'est sur les petites bannières de publicité AdSense, par exemple, vous pouvez voir ça, il y a un petit lien. Et si vous suivez 2-3 liens, vous pouvez arriver sur une page où il y a tous vos critères d'intérêt, etc., tout ce que Google peut savoir sur vous. Et donc voilà, et aussi la localisation, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure, enfin tout de suite même. Parce que Google Pigeon, en 2014, c'est un algorithme qui a vraiment permis de géolocaliser de plus en plus finement les résultats. Tout au début, si vous vouliez une pizza à Paris, il fallait taper pizza Paris. Après, vous aviez juste à taper pizza, et il vous donnait toutes les pizzas dans Paris parce qu'il a détecté automatiquement que vous étiez sur Paris, ce qui vous fait gagner du temps au niveau de votre recherche. Et à partir de Pigeon, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que vous tapez pizza, il est capable de vous mettre les pizzas les plus proches de chez vous. C'est-à-dire pas uniquement dans votre ville, mais vraiment dans votre quartier. Donc ça va encore plus loin. Comment ils arrivent à faire cela? Il y a deux choses. Il y a les voitures de Google Maps qui ont scanné tous les réseaux Wi-Fi et qui avaient des GPS, donc ont pu localiser les réseaux Wi-Fi. Et vous avez les téléphones Android. Depuis peu, j'ai vu que l'information était sortie de façon un petit peu plus publique qu'avant, ce qui est un petit scandale à ce sujet, mais ça fait des années que ça dure. En fait, quand vous avez un téléphone Android, même quand vous avez désactivé le Wi-Fi, il va scanner tous les réseaux Wi-Fi aux alentours et renvoyer l'information de leur géolocalisation. Donc du coup, en fonction du réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté, Google est capable de vous localiser. Et pas uniquement au niveau de la ville. Ensuite, Google SSL, donc ça c'était en 2014 aussi. Pareil comme Google Speed tout à l'heure, comme Google Fresh, c'est des algorithmes qui sortent. Ils n'ont quasiment aucune influence au moment où ils sortent. Google communique dessus et après on n'en entend plus du tout parler. Mais ils prennent de l'importance avec le temps. Bon alors là, pour le coup, avec Google SSL, on en entend toujours parler, parce que Google communique vraiment beaucoup là-dessus. Pour eux, la sécurité du web, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pour leur image, pour leur business. Et du coup, ils communiquent vraiment beaucoup là-dessus. C'est suite à ça que vous avez eu des initiatives comme Let's Encrypt, qui ont permis d'avoir des certificats SSL gratuits. Avant, ça coûtait au minimum
200-300 euros. Après, il y a eu des discounters et maintenant il y a même des certificats gratuits. Donc, à partir du moment. Donc, il y a deux choses. Il y a Google qui est passé aussi en HTTPS et il y a le fait dans l'algorithme de renforcer le positionnement des sites qui sont sécurisés. Deux choses. À partir du moment où Google est passé, lui, en sécurisé, quand vous êtes sur un site sécurisé, quand vous arrivez sur un site, il ne vous transmet pas le site duquel vous venez. Ce qui fait que dans Google Analytics, à partir de ce moment-là, on n'a plus tous les mots-clés sur lesquels les gens tapaient pour arriver sur votre site. C'est un petit peu dommage. Tous les blogueurs s'amusaient de temps en temps à faire la liste des requêtes les plus improbables avec lesquelles les gens sont arrivés sur leur site. Ça, c'est une information qu'on n'a plus. Alors, du coup, Google nous a donné accès par la suite à ces informations dans la Search Console de façon un peu dégradée. Mais ça, c'était pas lié à une volonté d'enlever cette information pour le coup. C'était vraiment l'idée de sécuriser au mieux les transactions et du coup, bah, un petit effet de bord. Par la suite, voilà. Ensuite, ils ont voulu avoir la même chose continuer en fait à être sécurisés de bout en bout, jusque sur les sites vers lesquels ils amènent le trafic. Et ils ont lancé ce critère avec une pondération très très faible. Et ça augmente avec le temps. Vous recevez aussi des alertes dans la Google Search Console quand votre site n'est pas sécurisé. Là, pour l'instant, c'est uniquement sur les pages sur lesquelles il y a des formulaires. Et petit à petit, ça, c'est un critère qui va prendre une grande importance. Mais pareil, comme pour la rapidité des sites, ils ne peuvent pas se permettre d'imposer le critère du jour au lendemain et de dégrader des sites de référence qui ne sont pas encore nécessaires. Par contre, ils lancent l'information. Tout le monde a fait ce travail, quasiment. Et dans 2-3 ans, si votre site il n'est pas sécurisé, ça va être très difficile pour se référencer. Alors, Google Rank Brain, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, ce n'est pas un critère à proprement parler. C'est une pondération des différents critères en fonction des types de recherches. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous cherchez un avocat, des médicaments. Ben voilà, Google va faire très très attention à la confiance qu'il porte au site vers lequel ils vont envoyer. Ça, je pense que. Voilà, après. Si c'est une requête sur laquelle il y a un pic de recherche alors que ça n'avait jamais été recherché avant, parce que ça c'est aussi une information qui est dans Google et que vous pouvez voir sur Google Trends, il va se dire que c'est une requête chaude, il va vous mettre plus de pages récentes, plus de pages de type actualité. Et donc la fraîcheur va être plus importante à ce niveau-là. Bon, ensuite des mises à jour, il y en a beaucoup, hein. Je pense qu'on n'aura pas le temps de faire toute la liste, mais vous avez aussi. En détail, en tout cas, App Indexing, c'est un effort de Google pour que de votre moteur de recherche, vous puissiez directement sur votre téléphone Android lancer une application et vous retrouver sur l'URI de la page, par exemple. Je ne sais pas moi, sur TripAdvisor, par exemple, vous allez pas juste lancer l'application. Il va vous lancer la bonne page dans l'application. Bon, ça, pareil, il ne doit pas y avoir beaucoup, beaucoup d'ingénieurs qui travaillent là-dessus parce que ça avance pas super vite, mais ça suit son petit bonhomme de chemin. Alors, Google Mobile, plein de choses à dire là-dessus. On a parlé déjà des temps de chargement. Google a communiqué très fortement. Sur le fait qu'ils allaient bientôt tenir compte des sites mobiles pour classer les résultats de recherche. Et finalement, c'est des grandes annonces qui n'ont de cesse d'être décalées dans le temps parce que les ingénieurs ne sont pas prêts. L'idée, c'est que pour l'instant, vous avez plusieurs robots. Vous allez avoir les robots pour la publicité, vous allez avoir les robots pour les sites normaux, des robots pour les sites mobiles, des robots pour les sites d'actu, etc., qui vont regarder des choses différentes. Pour l'instant, les classements sont basés sur le robot qui visite les sites web, desktop. C'est les sites qu'on optimise pour le référencement. À l'avenir, Google va essayer de prendre en compte la version mobile du site pour tenir compte de son classement. Alors, c'est assez compliqué à mettre en place, même Google a un petit peu de mal, et surtout, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Sur un site responsive design, ça ne change pas grand-chose. Mais il y a plein de sites de grandes marques qui proposent un contenu beaucoup plus pauvre sur leur version mobile. Donc du coup, il va falloir qu'ils s'adaptent, parce que sinon, ils risquent de perdre grandement leur référencement. Donc
Donc il y a la difficulté technique et puis il y a aussi le fait qu'il faut que le marché s'adapte pour éviter de casser tous les résultats. Pour terminer, Google Interstitial, pareil, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. De plus en plus, toutes ces pop-up JavaScript, etc., qui font que consulter un article, ça devient un parcours du bon battant. Il faut enlever la pub pour la newsletter, dire qu'on ne veut pas télécharger l'application, enlever le bandeau pour vous dire que vous acceptez les cookies, et après, s'il n'y a pas une pub vidéo, vous pouvez enfin lire l'article. Donc ça, pareil, voilà, c'est quelque chose qui est maintenant pénalisé au niveau du référencement. Voilà, j'ai passé un petit peu rapidement sur certaines slides pour avoir le temps de vous présenter le cœur du référencement, c'est comment on fait, maintenant qu'on sait tout ça, pour optimiser son site pour les moteurs de recherche. Alors la méthodologie, elle est très simple. Il faut d'abord trouver les bons mots-clés. Ça paraît tout simple, mais c'est une étape qui est pas toujours suivie par tout le monde. C'est-à-dire que vous allez regarder les volumes, on peut regarder sur Google AdWords les volumes de recherche des mots-clés. On va essayer de voir les mots-clés qui, pour un site e-commerce, par exemple, qui vont avoir tendance à convertir. S'il y a achat devant, pas cher derrière, vente en ligne, etc., bon, on sait que ça va plus convertir. Et voilà, il vous faut une base de données de tout votre champ sémantique pour connaître tous vos mots-clés. Ensuite, vous classez ceux sur lesquels vous voulez vous positionner en priorité. Et vous allez créer ou optimiser des pages sur chacun de ces mots-clés et les mailler entre elles pour essayer de reproduire le knowledge graph de Google et relier les pages qui ont des sujets proches entre elles. Donc voilà, c'est à la fois un Excel, mais c'est aussi un graphe, dans le sens où il faut relier un petit peu tous ces mots-clés entre eux et avoir des pages optimisées sur chacune d'entre elles. Alors, qu'est-ce qu'on optimise sur chacune de ces pages? Alors, si au moins vous optimisez déjà le title et la méta-description, c'est pas mal. Le title, c'est ce qui apparaît dans le navigateur, à ne pas confondre avec le H1, qui est ce qui apparaît en gros sur le site. Il y a encore plein de pages qui n'ont pas de H1, alors que c'est juste l'élément le plus important dans l'algorithme de Google. Ça n'a pas évolué. Donc voilà, donc le titre, le title, le H1, vous, là, vous mettez vos mots-clés. Il faut éviter d'avoir des titres à rallonge et de mettre 15 mots-clés, parce que ça va diluer, en fait, la puissance que va avoir ce mot-clé dans le titre. La méta-description, ça ne sert à rien d'y mettre vos mots-clés. Vous pouvez le faire parce qu'ils vont apparaître en gras quand les gens recherchent, mais ça ne va pas augmenter votre positionnement. La méta-description, elle est vraiment là pour inciter au clic. La méta-description, c'est ce qui va augmenter votre taux de clic. C'est un petit peu comme les annonces sur Google AdWords. Donc, ce n'est pas du tout un critère de positionnement, mais c'est quelque chose qui va influencer le comportement des utilisateurs, qui est pris en compte par Google. Donc, ça a un effet indirect. Ensuite, on va parler de longueur de contenu. C'est-à-dire qu'effectivement, toute chose égale par ailleurs, sur des sujets complexes, par exemple, une page qui a beaucoup, beaucoup de contenu, elle sera mieux classée qu'une autre. Et densité de mots-clés, c'est le nombre de fois que vous allez pouvoir répéter votre mot-clé dans votre page. Il n'y a pas de densité absolue, mais moi, ce que j'ai l'habitude de donner comme conseil, c'est de citer votre mot-clé à peu près une fois par paragraphe. Après, tout dépend de la longueur de votre paragraphe, ça peut faire 5-10 lignes. Et après, il va falloir bien structurer aussi vos paragraphes avec des H2, parce qu'après le title et le H1, c'est l'élément le plus important au niveau du référencement naturel. Donc vous allez pouvoir le répéter, et en général, il y a un top mot-clé sur lequel vous allez essayer de vous positionner, et il va y avoir plein de combinaisons. Donc pour faire simple, dans le H1, vous allez mettre votre top mot-clé, et dans les H2, vous allez mettre différentes combinaisons de ce mot-clé. Voilà. Ensuite, ne répétez pas trop le même mot-clé, non, pas plus qu'une fois par paragraphe. Par contre, essayez d'être exhaustif au niveau des synonymes, au niveau du champ sémantique, de tous les mots-clés qui vont pouvoir tourner autour. Alors ça date un petit peu. Le gras, c'était vrai il y a quelques années, mais ça n'a plus aucune influence. Donc évitez de mettre vos mots-clés en gras. Ça peut que attirer vos concurrents et dire à Google que vous essayez de le spammer. Donc maintenant, c'est à éviter. Mais ça a été très efficace par le passé, c'est vrai. Les images, pour remonter dans Google, il faut rentrer le alt d'image, qui est l'élément qui est lu par pour les malvoyants, pour leur expliquer ce qu'est cette image. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va... Ça va très peu jouer sur le classement de votre page en elle-même. Par contre, vous allez pouvoir gagner en visibilité sur Google Images. Donc c'est toujours bon à prendre. Et le texte d'ancrage, c'est... Donc certains disent encre de lien, moi je dis titre de lien. C'est les liens qui vont pointer vers votre page. Donc ça peut être soit des liens internes, donc optimiser
Le maillage interne, c'est quelque chose de très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous maillez des pages qui ont du sens, c'est-à-dire qui ont des sens propres, des sujets propres qui sont complémentaires les unes aux autres, ça sera d'autant plus bénéfique. Donc pensez au knowledge graph, pensez à la pertinence sémantique. Voilà. Après, du coup, il y en a qui ont théorisé ça, par exemple, comme le cocon sémantique, qui est une forme, une structure, c'est-à-dire vous créez une page sur la top requête, après vous mettez des mots-clés intermédiaires qui sont un petit peu moins recherchés, puis des mots-clés longue traîne, et vous mettez trois niveaux de page et vous les maillez entre elles à tous les niveaux. Ça, c'est juste une structure possible. Voilà, il y a un effet de mode là-dessus, c'est devenu le truc, la nouvelle technique secrète du SEO. Il n'y a pas deux techniques secrètes du SEO, il n'y a pas deux consultants SEO qui vont être d'accord, il y a 10 façons différentes de référencer le même site. Au niveau structure, maillage interne, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, il faut juste que ça soit pertinent au niveau sémantique. Donc si vous voulez faire que des pages tout au même niveau et maillées entre elles, voilà, enfin, à vous de réfléchir et d'essayer de trouver quelque chose d'innovant, mais il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut que d'un point de vue sémantique, ça ait du sens. C'est-à-dire que les pages qui parlent de sujets connexes, doivent être maillées entre elles, ce qui est juste logique, a priori. J'ai une petite question, et puis le site Parallax, est-ce que c'est plutôt négatif ou pour le référencement? Alors, le seul problème, c'est qu'en général, il y a peu de texte sur ces sites-là. Après, ça, c'est une technologie, enfin, c'est plus dans le design, donc ça a assez peu d'influence sur le SEO en tant que tel. Alors, après, ça peut avoir une influence s'il y a peu de texte, ça peut avoir une influence si c'est long à charger. Mais ce n'est pas le fait que ça soit du parallaxe en tant que tel qui est jugé par Google. Non, parce que vu que c'est que sur une seule page, donc du coup. Alors, il y a parallaxe qui est l'effet, et après, il y a les sites one page. Ça, c'est deux choses différentes. Les sites one page, en termes de SEO, c'est une catastrophe. C'est un petit peu les sites flash du 21e siècle, parce qu'effectivement, si vous avez une seule page, en plus si elle a peu de texte, vous avez moins de chances d'être bien référencé que si vous en avez une dizaine ou une centaine qui sont maillées entre elles. Ça, c'est mathématique. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Donc, il faut vraiment connaître vos mots-clés, les relier entre eux de façon logique, et après, vous aurez la structure de votre site web. Et en fonction de votre sujet, bah, la structure, ça différente. Il n'y a pas un modèle. Et s'il y a des gens qui vendent des formations qui veulent vous faire croire ça, c'est faux. Voilà, chaque secteur d'activité est différent, chaque champ sémantique est différent. Il faut vraiment partir des mots-clés et après vous aurez la structure à mettre en place pour l'optimisation SEO. Bon, l'optimisation des images, je vous l'ai expliqué. Les micro-formats, je n'aurai pas le temps de vous l'expliquer pour que vous ayez le temps de poser un petit peu des questions. C'est l'idée de donner des informations dans le code source à Google pour structurer ces informations et nourrir son knowledge graph. Ça vous permet d'avoir, par exemple, les petites étoiles qu'on a pu voir de temps en temps sur Google. Ça peut vous permettre d'avoir le chemin de navigation de votre site directement dans les résultats et du coup de prendre un petit peu plus de place dans les résultats et donc d'augmenter normalement votre taux de clic. Voilà. Donc, pour terminer très rapidement, donc ça c'est le maillage assez classique hein, en arbre, en silo. Donc vous avez vos différentes rubriques et ensuite vous avez des pages de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4. En général, on met les mots-clés les plus concurrentiels sur la home page, les plus génériques, ceux qui ont le plus fort volume, parce que c'est la page qui récupère le plus de liens entrants, donc c'est la plus puissante. Voilà. Par contre, il va falloir faire un petit effort et mettre un petit peu de texte sur votre home page et pas juste des images très inspirantes. Ensuite, vous avez vos rubriques. Donc là, ça permet de structurer votre site et de dire à Google, voilà ce dont je vais parler. Et après, vous avez toutes les pages avec des requêtes un petit peu plus longues traînes, sachant que voilà, plus il y a de profondeur au niveau du crawl de Google, moins elles auront d'impact SEO, donc ça va être plus des requêtes de type longue traîne. Et ce qui est important, c'est de bien mailler entre elles les pages à ce niveau-là. Voilà. Bon, je suis obligé de faire assez rapide. Hein. Voilà, une formation SEO, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Là, on n'a qu'une heure ce soir. Mais n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez par la suite. Voilà, ça, c'est une autre vision où là, on ne va plus être sur un système de rubriques, mais on va être sur du maillage entre pages. Ça, par exemple, c'est vous avez vos rubriques, vos articles, donc votre home page, vos rubriques d'actualité, vos articles.
Et l'idée, ça va être de mailler entre eux des articles qui peuvent être dans des catégories différentes parce qu'ils utilisent les mêmes mots-clés. Par exemple, vous avez une rubrique faits divers et une rubrique politique, deux rubriques différentes, donc les liens, normalement, a priori, les articles ne sont pas liés entre eux au niveau hiérarchique, mais vous allez mettre un petit truc, type, un petit module type vous aimerez aussi, et si vous détectez que c'est dans la même ville, hop, vous allez lier ces deux types d'articles. Donc ça sera une autre forme de pertinence en termes de maillage interne. Vous avez les sujets, vous avez là dans l'exemple la localisation. Moi, ce que j'aime beaucoup conseiller, c'est les tags. Il faut arrêter de mettre des pages avec qui listent les tags ou des nuages de tags. Ça, c'est totalement terminé. C'est totalement has-been. Et puis, ça fait des pages dupliquées. C'est vraiment négatif. Par contre, se servir des tags pour le maillage interne, ça, c'est quelque chose de vraiment très, très pertinent et quelque chose que je vous invite, à creuser par vous-même et à réfléchir un petit peu là-dessus. Voilà, et puis après, au niveau du linking externe, évitez d'avoir des angles trop optimisés. Essayez que ça soit sur des sites qui sont dans la même thématique que vous. Voilà, si vous vendez des fleurs, a priori, ça serait bien de pas avoir des liens, enfin, que les liens soient un minimum contextuel, c'est-à-dire de ne pas avoir un lien depuis un site automobile, par exemple. Ça risque de paraître louche aux yeux de Google. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et on a un petit peu de temps pour répondre à toutes vos questions. Bon, tout a été parfaitement clair et vous avez tout compris au SEO. Une question concernant les backlinks. Oui. Alors maintenant, on dit que si on fait trop de backlinks dans les annuaires, bah, que c'est plutôt négatif pour le référencement. Alors, il y a un moment, effectivement, ça a pu être ciblé à un moment par Google de façon spécifique, parce qu'il y a eu de l'abus, comme après les sites de communiqué de presse ont été visés de façon spécifique. À l'heure actuelle, ce n'est pas le fait de faire des annuaires en tant que tel qui va être négatif. C'est le fait de le faire, soit de se référencer sur des annuaires de mauvaise qualité, c'est-à-dire d'en faire trop, soit d'avoir trop de titres de liens optimisés. C'est vraiment ça. Ce n'est pas un type de lien en particulier qui va être pénalisé. C'est est-ce que vous avez été fricoté avec des annuaires qui sont vraiment là uniquement pour faire du SEO, qui n'ont pas de trafic, qui ont un design dégueulasse et qui ont 3 visiteurs par jour, ou est-ce que vous êtes référencé sur des annuaires de qualité Ouais, plus le P10 par exemple, si c'est P10, ben, c'est de dire que c'est vraiment de qualité et puis ça serait bien d'avoir par exemple cet annuaire-là qui. C'est ça. Et après, effectivement, il y a quand même une notion qualitative. Si vous vous référencez sur des annuaires thématiques, par exemple, ça reste pertinent. Si vous faites une dizaine d'annuaires généralistes, ça va vous apporter un petit peu de page rank qui est intéressant, surtout au début, parce que c'est des liens qui sont assez faciles. En général, c'est les premiers liens qu'on peut mettre en place en termes de SEO. C'est les plus faciles. Par contre, si vous faites 1000 annuaires, là, effectivement, au bout d'un moment, ça va être le champ. Mais après, du coup, enfin, voilà, on peut quand même, vous pouvez en faire 2-3 au lancement d'un site, ça va permettre tout de suite d'avoir un minimum de backlinks et d'être pris un petit peu au sérieux. Après, c'est sûr, si vous avez un lien depuis Le Parisien, Les Échos, c'est mieux. Mais après, c'est un petit peu plus difficile d'accès, le budget pour aller les chercher, ces liens-là, est un petit peu plus élevé. D'autres questions? Est-ce que les commentaires négatifs sur Google et le manque de mention légale sur mon site peuvent affecter le référencement? C'est une très bonne question qui est tout à fait dans l'air du temps. À l'heure actuelle, pas vraiment. Mais c'est quelque chose sur lequel Google travaille de façon assez avancée. Il y a deux sujets différents. Les avis, ils sont déjà assez avancés sur ce sujet-là. L'idée, c'est de prendre en compte, pas uniquement un site, mais de prendre en compte une marque. Ça me permet d'aborder un autre sujet, c'est que dans les critères de Google, alors pas dans les plus importants, c'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé, mais il y en a un qui peut paraître bizarre, ça va être le nombre de mentions de recherche de votre marque dans Google. Ça va influencer sur la confiance que Google peut avoir envers votre marque. Par exemple, si vous faites une pub télévisée, ça peut avoir un petit effet sur votre SEO, parce que ça va augmenter les requêtes sur notoriété sur votre marque, et donc du coup, ça va un petit peu augmenter la confiance de Google envers votre site. Donc du coup, à partir du moment où on travaille sur la marque, effectivement, on peut se dire que les avis sont quelque chose que Google prend en compte. Après, a priori, d'après les tests qu'on a faits, soit ils n'en tiennent pas encore compte, soit c'est très très faible,
Mais en tout cas, c'est des choses qu'on optimise dès maintenant parce qu'on sait qu'à un moment ou un autre, ça va venir. Voilà. Et l'autre question, c'était... C'est le manque de mentions légales. Après, pour les mentions légales, ça amène à un autre sujet qui est tout ce qui est les PBN, c'est-à-dire des agences SEO, des freelances qui vont créer des réseaux de sites uniquement pour faire des liens vers les sites de leurs clients et remonter là-dessus. Ça fonctionne très bien actuellement. Souvent, c'est des sites qui n'ont pas de mention légale, qui n'ont pas pignon sur rue, parce que les personnes qui font ça mettent beaucoup de choses en place pour pas qu'on détecte que c'est un réseau, parce qu'effectivement, sinon Google va en tenir compte. Le fait d'avoir des liens depuis des sites différents ou le fait d'avoir des liens vers le même site ou vers le même groupe de sites, c'est pas du tout géré pareil par l'algorithme. Donc les gens qui utilisent les PBN font tout pour que chaque site soit vraiment différent. Et du coup, la prochaine évolution, a priori, le prochain filtre de Google, ça sera effectivement d'essayer de comprendre les mentions légales, comprendre qui il y a derrière pour lutter contre ce genre de site. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on est beaucoup de SEO à parier que ça sera une des prochaines mises à jour. Dernière chose là-dessus, les PBN, pour l'instant, ils sont surtout... le travail qui est fait actuellement pour les légitimer, ça va être surtout sur le fait d'avoir des profils sur les réseaux sociaux qui vont légitimer un petit peu ces sites-là. C'est-à-dire, en dehors des mentions légales, Google essaye de comprendre dans son graphe qui travaille sur quel site, qui fait quoi, à qui appartient ce site, etc. Quoi. Donc, il n'y a pas que les mentions légales, il y a les mentions du nom de domaine, il y a les profils sociaux qui vont un petit peu dans ce sens-là pour relier les sites à leur webmaster. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que vous avez quand même appris des choses? C'était utile? Vous avez d'autres questions? Les photos en fait que vous avez parlé de sur Marmiton, tout ça, sont liées au profil de Google Plus ou c'est... Non, alors j'ai peut-être été un petit peu vite. Ce que j'expliquais, c'est qu'il y a eu un test à un moment où vous pouviez avoir votre image de profil sur Google Plus affichée à côté de votre site. Si vous les reliez avec un micro format pour le coup qui était l'adresse de votre profil Google+, point d'interrogation, réel auteur ou quelque chose comme ça. Ça, ce que je disais, c'est que du coup, moi, tous mes collègues SEO, ils ont changé leurs photos sur Google+, et ils ont tous eu des photos de mannequins russes très attrayants, ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Donc les gens ont abusé de cette technique, donc ça a été désactivé. Et ça persiste sur les recettes de cuisine. Et j'ai pu voir aussi, alors, je ne sais pas si c'est uniquement sur mon téléphone ou si c'est un test ou si c'est pour tout le monde, mais quand je recherche des personnes ou certaines requêtes spécifiquement sur mobile, ça m'arrive d'avoir leurs photos à côté. Mais pour le coup, ce n'est plus du tout une optimisation sur le site. C'est Google qui décide un petit peu comme la position zéro s'il le met ou pas. Sauf pour les recettes où là, il y a un critère spécifique. Mais ça, ce qui est intéressant sur toutes ces petites choses qu'on peut avoir à côté, donc une image, des étoiles, des lignes en plus, etc., voire des site links, c'est-à-dire des liens vers des pages profondes de votre site directement. Ce qui peut être intéressant avec ce niveau-là, c'est que ça va augmenter le taux de clic et que c'est un critère intéressant au niveau de Google. Donc, c'est ce qu'on appelle des critères indirects, un petit peu au billard, comme vous tapez d'abord la bande et après la balle. Quoi. Voilà. Vous avez d'autres questions ? Je vais juste revenir sur ce que vous avez dit par rapport, dès que vous recherchez une personne sur Google, il y a sa photo qui apparaît. Mais c'est Google qui lui-même a réussi à trouver la photo via un article ou via... Non, c'est s'il a mis sur... Mais même si on le met... Alors, il y a différentes choses. Des fois, quand vous cherchez quelque chose, vous avez un bloc, une one box avec des images qui sont issues de Google Images. Ça, c'est une chose. Et sur mobile, si je cherche des fois sur... si je regarde mon nom, par exemple, je vais avoir des images, mais à côté du résultat. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce que ça marche? Bon, là, pour le coup, ça ne le fait pas. Très mauvais exemple. Mais ça m'est arrivé. Donc, après, c'est ce que je posais, comme question. C'est est-ce que c'est un test? Parce que Google fait des tests et l'affiche des fois une proportion des utilisateurs. Ou est-ce que c'est un algorithme qui se développe peu à peu? Bon, je vais essayer avec Emmanuel Macron. Non. Bah là, ça ne le fait plus. Donc, a priori, effectivement, c'était un test et c'était quelque chose de temporaire. Mais ça prouve bien qu'il continue à réfléchir sur la façon d'intégrer les images dans les SERP sans que ça soit spammé et sans que ça alourdisse trop.
Parce qu'après, ils peuvent aussi prendre de Google Plus aussi nos informations, non? Et après, les afficher dans... Non. Non. Là, les informations sur Google Plus, c'est pas, ils n'ont pas assez confiance dans ces informations, même si c'est eux qui les maîtrisent. Ils vont beaucoup plus avoir confiance dans des données qui viennent de Wikipédia, par exemple, pour afficher des données structurées, pas sur Google Plus, a priori. Cette piste-là, elle a été testée, et a priori, ça n'a pas donné suite.